Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les énergies du 28 août 2019. Et je vais prendre trois cartes pour les énergies avec le tarot doré. On regardera ce qui va ressortir de ça. Il y a une carte qui s'est retournée, mais je ne la vois pas. L'as de bâton. Nous avons l'as de bâton, le 5 de bâton et nous avons le 6 d'épée. L'as de bâton va nous parler d'une idée, d'une envie, d'une impulsion. Ça va nous parler d'action. Avec cette carte-là, on parle d'énergie, l'envie de créer quelque chose, hein. Nous sommes dans les prémices ici. En tout cas, il y a de la motivation, il y a de l'énergie. On peut parler d'ambition. Il y a l'envie de faire, en tout cas, il y a vraiment une belle énergie pour cette première carte. Le 5 de bâton, lui, va nous dire qu'il y a peut-être des choses à régler par rapport à soi-même ou par rapport à d'autres personnes. On peut parler de conflits également, de chamailleries. Alors, pourquoi il me fait ça? Voilà. On peut parler de conflits, de chamaillerie, mais il y a comme quelque chose de nouveau qui commence pour vous, un début de quelque chose, une envie. Il y a peut-être une mise en action, mais il y a des choses qui dérangent intérieurement. Donc là, je vais parler vraiment de soi-même, hein. Il y a comme l'idée de vouloir faire du tri, de réaménager ici, de se dire ça, c'est bien pour ça, c'est moins bien pour ça. Il y a comme une dualité intérieure pour se dire je veux ça, mais en même temps, je veux ça, comment je fais? On ne peut pas avoir l'argent du beurre et la crémière. Enfin, l'argent, le beurre et la crémière en même temps, il y a cette notion de se décider ici, à voir si vous allez continuer dans les prochains jours ou même en fin de cette journée à rester dans ce genre de réflexion et à vous dire ça, plus ça, d'où les tracasseries intérieures, le fait de se ronger l'esprit également. Et avec cette carte-là, le 6 d'épée va nous dire que ben, vous allez vers quelque chose de plus calme. Il y a l'expérience ben, de certains événements, même de votre vie, l'expérience de vos réflexions qui dit vous rangez vos épées, vous allez de l'avant vers un futur. Alors peut-être qu'on peut parler de regret parce qu'on ne peut pas tout avoir simplement, sincèrement, parce qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. Voilà, c'est ce maître mot qui me vient. Si je devais vous laisser un message, c'est qu'on ne peut pas tout avoir en même temps. C'est rare, c'est dur. C'est possible, hein, mais H24 et 7 sur 7, non, c'est un peu compliqué. Donc il y a l'idée de se délester du superflu et de retrouver un moment de calme intérieur. Peut-être l'idée de se retrouver justement pour se dire. Je pose les armes, entre guillemets, en tout cas les épées au niveau de la réflexion, au niveau des pensées qui étaient peut-être chamaillées entre eux, ça se dit pas, mais dans une chamaillerie entre elles, j'y vois cette forme de dualité qui va s'aplanir ici. Maintenant, hormis le fait de parler de soi-même, on peut dire que par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit un projet lancé, de l'énergie, de l'action, se mettre en mouvement, il peut y avoir des conflits et des divergences ici avec plusieurs personnes, peut-être de votre entourage. Et c'est comme si chacun voulait prendre part par rapport à ses propres souhaits, par rapport à ses envies. Et il y a cette idée de se défendre. Alors il y a peut-être une bataille avec plusieurs personnes. Je parle bien sûr voilà, de remettre les pendules à l'heure. Et on va parler ici d'un moment d'accalmie. Alors je n'ai pas la carte d'après. Soit on se dit, bon. C'est chaud, c'est dur, toutes ces complications, cette bagarre, ça fait un peu mal à la tête. Donc moi, je m'en vais ici.
je baisse les armes et je vais vers autre chose. Peut-être qu'on reprendra demain, peut-être pas. Mais en tout cas, pour cette journée, ça se finit plus tranquillement. Alors, on va prendre le petit, le normand. J'allais le mélanger avec les pouces, mais c'est pas, elles sont trop petites. Alors, peux-tu m'indiquer ? Approfondir. Cette trois cartes-là. Merci. On voit beaucoup d'énergie autour des pensées. Voilà, ça va me parler de blocage, de point d'arrêt par rapport à un couple ou par rapport à deux personnes en lien avec des discussions. Il y a quelque chose qui était freiné, qui était arrêté ici. Ben, l'as de bâton, c'est OK, ça reprend. OK, il y a une énergie nouvelle par rapport à ça. On peut parler bien sûr de projet, de. J'avais pas pensé, mais. De reprendre quelque chose, de projet. Alors, si j'additionne ces deux cartes-là, on a 9 et 7, ce qui nous donne 16. Dans l'optique de quelque chose, dans l'optique d'un espoir, dans l'optique d'atteindre quelque chose ici. C'est comme s'il y a une personne qui voulait quelque chose et l'autre personne voulait autre chose. Alors, ça peut être entre deux personnes ou entre plusieurs parties de vous-même, d'où la dualité ici. On peut parler de rupture d'un couple, mais de reprise. De quelque chose qui redémarre. Donc, il y a quand même des prises de tête hein, par rapport à des communications, à des discussions, peut-être même un couple ou deux personnes simplement. Et ici, ça sera en lien avec la communication. Ça sera également des choses à payer, ça peut me parler de ça. Et on a 14, on va parler du travail, on va parler de tierce personne, on va parler de spécialiste. Il faut un peu batailler, donc franchement, il faut l'adapter à votre situation, parce que ça peut être quelque chose à régler avec, admettons, je prends un exemple, France Télécom, parce que ils nous ont fait payer un peu plus, alors que non, c'était pas ça, l'abonnement. Ça peut être les impôts qui nous ont réclamé trop d'argent alors que ben non, ça correspondait pas aux chiffres, tout comme un héritage, tout comme un souci par rapport à un couple. Alors j'ai parlé de finances, ça peut être autre chose. 14, on parle du renard aussi. Oui, du renard, donc du travail, pardon. Il faut peut-être également batailler pour certaines personnes dans le travail. Le 6 d'épée, on a la cigogne. Voilà, on prend de la hauteur, on respire, on voit qu'il y a une amélioration dans l'idée de retrouver un apaisement au niveau des sentiments. Mais pour d'autres personnes, ça va me dire que par rapport à cette journée qui a été un petit peu conflictuelle, il y a un changement dans les sentiments. Donc ça ne veut pas dire qu'il ou elle, vous ne l'aimerez plus, mais... Il ou elle vous a saoulé un petit peu aujourd'hui, il y a eu des prises de tête, et ben on voit qu'il y a un changement dans les sentiments. Vous avez envie de vous retrouver plus en paix, donc vous prenez de la distance. Voilà, le bateau, on prend de la distance. Si je prends ces deux cartes en opposition, oui, ça peut me parler de blocage dans le sentimental ou dans le lien de cœur ou en lien avec quelque chose qui vous tient à cœur. On voit qu'il y a du changement par rapport à des discussions, du changement par rapport à un couple. Et ce qu'il en ressort, c'est quand même une forme de stress par rapport à des écrits, par rapport à de l'administratif ou des prises de bec au niveau de la communication. Je vais continuer avec Béline et je fais juste un point parce que vous avez été nombreux à m'écrire. Merci, ça m'a fait plaisir. Lundi, mardi, on a retrouvé deux fois l'association Les Souris et les Poissons. Donc, j'ai parlé d'une escroquerie. Il faut le voir dans le sens d'une injustice financière.
Par exemple, il y a une dame qui m'a dit « Oui, vous aviez raison parce que mon Internet, ils m'ont fait payer plus alors que je n'avais pas cet abonnement-là, je ne sais pas quoi. » Quelque chose comme ça. Une autre personne m'a expliqué des choses et d'autres encore. Et voilà, ce n'est pas forcément une escroquerie, mais il y a quelque chose à régler par rapport aux finances, en tout cas lundi, mardi. Et on voit que c'est un peu compliqué, il faut un peu batailler. C'était dans ce sens-là. Alors, pour d'autres personnes, elles m'ont clairement dit, oui, il y a escroquerie. Voilà. Donc, vous voyez, il faut vraiment l'adapter. Chacun le vit à son degré. Parce que ben, les cartes, elles sont pas. C'est général, donc elles ne peuvent pas être précises à fond. Elles nous donnent les messages. Elles nous donnent les messages globaux. On a la clé. Youpi! Mais on a le retard. Donc par rapport à une solution trouvée, ça traîne, c'est encore un petit peu bloqué, il y a des choses à régler. Il y a un temps d'arrêt, mais pourtant la clé elle est là, elle est peut-être proche. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière la ruine? Et là, on a l'héritage. On parle encore d'héritage. Alors je vous dédicace les tirages financiers. Pour tous ceux qui sont en rapport avec l'héritage, donc là, ça va me parler de blocage. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas de rapport avec un héritage, on voit qu'il y a peut-être un blocage dans les finances, quelque chose à régler par rapport à quelque chose. Nous avons la trahison, la fatalité, bah dis donc, la sagesse, heureusement, l'entreprise et l'homme. Alors, la trahison, il y a quelque chose qui est faussé par rapport au domaine financier. Pardon, je vais le mettre comme ça. Il y a quelque chose qui est faussé, il y a quelque chose qui ne vous va pas. On vous a peut-être trahi, on vous a peut-être dupé. Hein, on revient à cette histoire-là. Et la fatalité, on voit qu'il y a quelque chose qui est tranché. C'est l'idée qu'il faut arranger quelque chose. Mais on voit une certaine difficulté de le faire là, dans le jour J. Donc, il faudra faire preuve de sagesse, mais également d'un regard, on va dire, rusé, dans le sens où il faut... Comment je pourrais vous dire ça? Il faut accepter les modalités en termes de temps, etc., pour que les choses puissent s'arranger. On voit ici qu'il y a... un homme ou par rapport à un homme, vous pouvez entreprendre à nouveau des choses en lien avec la famille, en lien avec la santé, en lien avec quelque chose qui devient plus sain. Donc, cette tracasserie, cette problématique, c'est comme si vous avez amorcé un premier palier pour aller vers l'arrangement de cette situation. Alors, ça peut me parler d'un homme hein, qui vous a dupé également pour certaines personnes. Ça peut être en lien avec la sécurité, un bien immobilier, la famille simplement. Un homme ou une femme, hein, c'est un personnage, peu importe. C'est comme si quelque chose allait être dévoilé là. Allez, je vais approfondir. Pour la coupe, on a l'autorité, on a un bâtiment et un contrat, une signature en ce sens. Ça peut me dire que ce sera un petit peu prisonnier, prisonnière, peut-être également par rapport à une relation. On a le serpent en addition, non, c'est deux cartes, ça peut me parler d'injustice. Sur la trahison, j'ai le secret, j'ai les papiers administratifs, j'ai une situation. Par rapport à la famille, la maison, un bien immobilier, un secret de famille, où on voit qu'il y a un blocage, une barrière, les choses sont un peu compliquées pour dénouer, en tout cas pour l'instant. En additionnant ces deux cartes, j'ai quand même 21. Mais en additionnant ces trois cartes, j'ai 31, ce qui va nous parler d'éclaircissement. En lien avec l'environnement, en lien avec un organisme, une société,
Par rapport à des discussions, à des négociations. Donc là, je continue de calculer et en rapport avec un personnage où on retrouve cette notion d'éclaircissement. Si ça peut me dire qu'il y a un secret qui est révélé, une situation qui est mise en lumière d'une personne en lien avec quatre murs, la sécurité, la famille. Et on voit quand même un blocage par rapport à l'environnement ou un blocage par rapport à l'entreprise, un bâtiment, la société. On va regarder l'aspect du travail. Alors, je n'ai pas le 77 avec moi, mais je vais prendre l'oracle bleu. C'est énorme, on a la maison. On a la maison. Alors, pour la coupe, on a le notaire. Ça va me parler d'écrit, ça va me parler de sérieux en fait. Du sérieux dans le travail. En tout cas, je vois comme ça. Par rapport à une femme ou pour une femme qui offre quelque chose, c'est peut-être le don de soi-même, y mettre du cœur dans son travail. On peut parler de cadeaux au travail également, c'est possible, hein. Voilà, je vais pas blablater dessus. On a la gestation. Alors, on a la maison qui va nous parler de sécurité, de stabilité, de quatre murs, hein, quatre murs au travail, et on voit qu'il y a une énergie assez forte qui ressort, le monde animal. Donc, avec le patriarche, il y a peut-être cette idée de vouloir s'imposer, de mettre les bouchées doubles. Ici, il y a une forme de reconnaissance, moi c'est le mot qui me vient en tout cas, parce que vous en imposez, donc soit vous faites à fond votre travail, vous le faites bien, on voit ici la progression par rapport à celui-ci. Qui va permettre, alors la gestation, c'est un peu délicat. Si je prends l'exemple de travailleurs indépendants, de ceux qui ont des choses à régler, enfin des situations à régler entre guillemets avec le travail, pour moi ça va être fait. Il y a vraiment les bouchées doubles qui ressortent ici, la progression, ça parle également de passer de un à plusieurs, ici on peut être aidé, hein. Et la gestation, c'est l'idée, ben maintenant c'est fait, il faut attendre pour pouvoir ben, jouir des résultats. Et s'il n'y a pas cette notion de résultat, la gestation va nous parler de patience. Alors de patience par rapport à quelque chose, j'ai un peu du mal là. Par rapport à la loi, par rapport à l'équilibre des choses simplement. Donc il y a des personnes qui ont envie de plus travailler. Il y a des personnes qui mettent plus de bouchées doubles, qui y mettent plus leur cœur, enfin peu importe, on voit un accroissement d'activité. La gestation va nous parler, ben, du coup, elle me parle vraiment de patience et d'attente ici, hein. La gestation, c'est 9 mois, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et il y a quand même un équilibre à installer, on va dire, dans le temps par rapport à votre travail. Donc, je pense que c'est une journée où, oui, vous travaillez beaucoup, mais vous allez également mesurer ce qui est bien ou moins bien pour vous dans l'idée de retrouver un équilibre. On peut parler bien sûr de cette notion de justice, d'homme de loi par rapport au travail pour ceux qui ont eu des complications et qui ont fait appel à la justice en termes de procès. Et j'ai envie de dire que oui, il y a un accroissement positif en votre faveur. Il y a des choses qui bougent, mais on vous demande ben, d'attendre. Voilà, patience pour le verdict, patience pour la réponse. Alors, l'aspect sentimental et relationnel, pardon.
Pour la coupe, on a le silence et la clé. Il y a le silence sur une ouverture, sur quelque chose qui est ouvert à nouveau, qui est solutionné pour d'autres personnes. Il y a quelque chose qui est tu, on peut parler de secret. Nous avons fusion, nous avons la porte, nous avons la nécessité, la médiation et le retour. Ok, donc il y a le retour d'une personne, il y a le retour d'une situation en lien avec un relationnel ou le sentimental. On voit qu'une porte s'ouvre, mais cette porte, elle s'ouvre et elle va nécessiter le fait de dialoguer et de mettre les pendules à l'heure pour y voir plus clair dans cette situation. Il y a, ça peut me dire que, je ne vais pas le dire de suite, je pense à quelqu'un qui peut faire un peu le forcing en fait. On va regarder. Soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, que ce soit sentimental, amitié ou associé. Ah, on a l'enfant, renouveau, on peut parler d'enfant, de grossesse. Projet, projet en commun, signature. Nouvelle en ce sens, communication nouvelle, retour de communication. Il y a un choix à prendre, il y a une décision, une nouvelle voie. Par rapport à une femme qui se questionne parce qu'elle est confuse et que ça la rend nerveuse, il y a des choses répétitives. Je vous disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui s'impose. On retrouve l'ours ici, dans la méditation, qui force un petit peu l'autre à penser comme lui par rapport à ce qu'il veut ou ce qu'elle veut. Dans l'idée d'entreprendre des choses, on voit également l'aspect financier transaction qui ressort ici. Sur le retour, nous avons la faux. Il y a quelque chose qui est changé, qui va changer parce qu'il y a un retour, il y a quelque chose qui est modulé. Il y a une coupure auparavant, que ce soit une réduction ou une séparation à proprement parler, il y a ce retour et ça change. Et par rapport à l'anneau, on voit une union qui est changée. On peut parler pour d'autres qu'il y a un retour après une séparation ou un divorce. Parce que ici, en opposition, on a bien un renouveau par rapport à un contrat signature, par rapport à une relation. Et à de la communication qui est tranchante. Maintenant, on se décide sur comment entreprendre les choses et c'est cette femme qui fait pression. Oh là là. Elle fait pression par rapport à un homme, je dirais, ou si vous êtes entre femmes, par rapport à l'autre femme. Et on voit que ce qu'il en ressort, c'est de la confusion, des choses répétitives, c'est également de la nervosité, mais c'est peut-être nécessaire de passer par là pour comprendre certaines choses. Voilà pour vous, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé et à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous souhaite une bonne après-midi et à très vite.